Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est de livrer un char à un avant-poste des 7. Alors pour vous aider à réaliser ce défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des chars de Fortnite saison 2 chapitre 3. Par contre, ce que moi je vous conseille, c'est de vous rendre au Daily Buggles, donc voilà juste ici regardez, au Daily Buggles, il y a un char qui n'est pas occupé par l'adverse. Donc par les gardes de l'IO, il est tout simplement abandonné. Donc bien entendu, je pense que si le garde de l'IO veut le prendre, il pourra le prendre. Mais regardez, là, il est juste là, posé au sol. Et il n'y a personne dedans. Donc moi, je vais tout simplement spawn à cet emplacement-là. Moi, je vous conseille de faire pareil que moi. Donc vous atterrissez à cet emplacement-là. Vous prenez le char directement. Hop. Et là, vous vous cassez avec. Voilà, parfait. Donc là, je me casse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre à un avant-poste des gardes de l'IO. Ben non, qu'est-ce que je dis moi? À un avant-poste des 7. Parce que c'est pas l'avant-poste des gardes de l'IO, c'est l'avant-poste des 7. Donc l'avant-poste des 7, il y en a un tout près, à côté de Daily Buggles, il se trouve juste ici. Donc moi, je vais me rendre à cet emplacement-là, parce que ben voilà, c'est le plus simple. Et c'est le plus rapide. Par contre, les autres avant-postes, ben, il y en a un que je viens de vous montrer juste ici. Il y en a un qui se trouve juste ici. En total, il y en a 7 si je me trompe pas. Ah non, il y en a plus que 6 maintenant. Donc il y en a un ici, ici aussi. Il y en a un autre qui se trouve à côté de Crazy Groove, juste ici. Voilà. Il y en a encore un autre qui se trouve à côté de l'état-major. Donc juste ici. Donc hop. Et il y en a un autre qui se trouve au-dessus de Lockjam. Donc juste ici. Voilà, voilà. Donc là, j'arrive à l'avant-poste des 7. Je vais tout simplement m'arrêter à côté. Voilà, regardez, livrer un char à un avant-poste des 7. Char livré, défi terminé. Donc voilà, quand vous aurez livré votre char, ben vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulomec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, yummy, yummy.